se retrouver à Narbonne plage avec l'association narbonnaise là qui est assez importante. Allez, à tout de suite. Comme d'habitude, beaucoup de voitures pour la narbonnaise là. On va passer du début jusqu'à la fin. Allez, tiens, une belle 190 SL. Une Méhari bleue. Une Alpina 110. Une belle Alfa Romeo. Le moteur est ouvert. Alors, joli intérieur comme extérieur. Sprint GT Julia, une Porsche IG, un truc comme ça, à côté. T'as une immense merguez. Hein. Tuning. Par contre, les. Ça fait tout simple, une Jaguar, pardon, une XF, là la mignonne petite 4 chevaux, la 203, on l'a déjà vu plusieurs fois celle-ci, là on a une Lambeau, Boxster, 2-2, 97 ou 13, je sais pas. Là, sympa, ça. Belle forme, cette Chevrolet. Non, je sais pas si c'est une Chevrolet. Bon, bah, c'est une Cadillac. Il y en a très peu, il y en a 25 en France. En plus, elle est en cabriolet avec son hardtop, là. Voilà, Toyota Racing. 205 GTI, une Méhari vert. Ah, il y en a plein là. Hein. Petite Jeep. Ah. Les grosses Chrysler. Une SM. Allez, de l'autre côté, tiens, on a de la Corvette. De la SLK. De la Série S. Ah, on continue sur quelque chose de marrant. Bon, ça, une Fiero GT, très bien. Mais alors ça, à côté, c'est quand même sympa. Il n'est pas venu le faire. Cette année-là, on va essayer le capot, parce que c'est vrai qu'à 11 ans, on pourrait s'installer. Il est une Aero 8. Voilà, on n'en voit pas beaucoup non plus de ça. À côté, on a une probe. MX5. Clio RS. Allez, 205. Une turbo Renault 21. Et puis là, la petite Renault 6. Mignonne tout plein. Avec à côté, une Renault 8, une Renault 16. Et des grosses Chrysler. Avec une autre Porsche. Là, c'est plutôt série G, je crois. Alors là, on est sur la Cadillac, qu'on finit pas. Toujours pareil, c'est une belle série S de chez Mercedes qui vieillissent très bien. Là, on est sur une SL 350, sympa.
de sa décoration. Voilà. Allez, on continue. On s'est arrêté au stand, si on peut dire, d'association La Narbonnaise, récupérer sa plaque d'adhérent. Et puis, on va continuer pour voir toutes ces belles voitures. Il y en a toujours énormément sur Narbonne. Et c'est varié. Voilà. Là, on voit sur un... sort d'un kit sur cette 205 CTI ou quelque chose comme ça. Là par contre on voit une belle 4 chevaux. On est déjà là 3 ou 4. Ouais, ça va. Tu t'es inscrit pour Rocofort. Et en face, magnifique Karmann Giulia Cabrio. On va prendre avec le soleil de l'autre côté. Derrière passe une Corvette, une Mustang 5, une Mustang récente, il y en a aussi. Ah, c'est une belle Porsche aussi. Là, on est dans les Caïmans, sympa aussi, les Mustang. Là, on est dans la série américaine Mustang. On avait vu à Saint-Pierre, celle-ci. Voilà. Non, n'importe quoi, c'est pas une Fuego, c'est une Renault 15. Ah, voilà, une belle DS. Ah, ici, c'était les porte-drapeaux. Intérieur tissu. Le Grand du Luxe. Voilà, elle est belle. Bicolore comme ça. Elle est jolie. J'ai une DS peut-être. Combi. Ah, ça sympa, toujours ces Mustang. Encore une Cayman. Voilà, oh, une Lamborghini. On en a deux. Bah voyons, c'est pas mal quand même. Allez, Mustang de ce côté-là. 306, ça, je sais pas, truc comme ça. Faux, tout faux. 309, en plus 16. GTI 16 qui, a priori, est un bolide. 309, voilà, ça par contre 205, Elite 6, sympa. Un Boxster derrière. Allez, on va repasser sur cette Lambeau. Une belle CT. Alors ça, c'est une Lancia Cabriolet, Lancia Flavia 2012, jamais vu jusqu'à présent. Là, une A110 récente, enfin récente. La jolie Renault 8, belle couleur. C'est une S. Il commence à faire chaud, mais on va pas se plaindre. On a eu tellement du mauvais temps chez nous là-haut que. Alors, on a des M2. Là aussi une turbo. Là, on a une Hazel. Voilà, deux chevaux. Cabriolet Hoffman. Sympa comme petit cabriolet.
Je vais chez eux. Là, on a une Maserati, sympa ça aussi quand même, pour reconnaître, c'est joli. Voilà, une DS, une idée même. Voilà. Une MX-5, ça n'arrête pas, on voit encore des voitures arriver. Là, c'est quoi ? Renault 21 peut-être. Eh oui, voilà. Quadra. Il y en a un qui fait du bruit avec sa voiture. Ford Mustang. Alors là, Zagato. Là, on est chez Maserati. Une Zagato cabriolet. Biturbo. Eh ben tiens, là maintenant on va aller voir Ferrari. Joli ça, hein. Un profilé superbe. T'as une CRX Honda, c'est pas tout à fait pareil hein, comme profilé, mais bon. Ah là, on est sur les Corvettes et ça continue, mais on arrive presque au bout avec cette belle 15-6 traction 6 cylindres. Ah, c'est la force du deuxième. Il lui attend, pour 3 secondes, je te rappelle la patte. Voilà, un hot rod sympa. On arrive sur une grosse Mercedes, magnifique là la ligne, je sais pas ce que c'est mais ça a l'air balèze, de chez balèze. Waouh, avec les jantes élargies. Ah, c'est du solide ça, petite coccinelle, mignon tout plein. Une RF. Voilà. Là il y en a une Corvette. Cabrio. Et celle qui joue, c'est la GT500. Voilà. À côté, t'as la Nissan Z. Fait moins de bruit, mais qui va vite aussi. Ah, ça fait quand même du bruit. Alors, on est sur les... Ça c'est du lourd, c'est de l'américain par contre. La Dodge, la Chevrolet. Voilà, on est dans les américaines qui vont aller se mettre au bout. Et on est sur une Mustang Cabrio, une deuxième Mustang Cabrio. Allez, on va retourner chez les... chez les européennes. Et on va y refaire un petit tour sur cette Chrysler là qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir. Aussi grande qu'une Cadillac. Alors c'est une Chrysler, à part ça. André Saint-Tro, je pense que c'est plutôt le garagiste. A priori, on est dans la série New Yorker. Mais évidemment, il y a différents âges. Ah bah tiens, en plus, il a mis le petit mot, on va aller voir. Elle est 1961, New Yorker. 4 portes.
Ah, celle-là, petite Renault 8 S Sport, sympa. Et l'Aero 8, toujours joli. Et cette SM avec ses sièges bicolores. Magnifique petite 4 chevaux. Il y a tout ça, les renforts et tout, enfin, bref, il a récupéré tout ce qu'il faut. Et tiens, une petite 4L. Et une Z3. Et une 2-2 derrière. Petit tour sur la 190 SL. Qui est jolie, belle couleur. L'intérieur, sympa. C'est chouette la 197. J'ai du mal à voir ce qu'on filme parce qu'il y a plein de soleil sur l'écran. Voilà, cette Méhari avec cette capote un peu particulière. Un L voile. Je sais pas comment on dit ça. Là. On a vu toutes les voitures, on va quitter ce beau rassemblement de Narbonne. Allez, à dimanche prochain, s'il y a un rassemblement quelque part dans mon coin.